Hey, salut les gens, c'est Vanduit, on se retrouve sur Stellaris, et ce ne sera malheureusement pas pour poursuivre notre aventure précédente, puisque un petit peu déçu par mon réglage de départ, j'ai décidé de refaire une game, avec un petit peu moins quand même d'étoiles, parce que c'est vrai que faire la plus grosse étoile, c'était peut-être pas forcément, enfin la plus grosse galaxie, c'était peut-être pas forcément ce qui est le plus intéressant en vidéo. Du coup, on va en prendre une un petit peu plus petite. Je vous laisse regarder vite fait. Voilà, vous pouvez faire pause. Alors, j'ai pas mal modé le jeu. Enfin, pas mal. Un petit peu, surtout de manière esthétique. Donc, ça devrait être un petit peu plus sympa pour vous à regarder. Je vais laisser ça en intermédiaire parce que 600 étoiles, c'est largement suffisant. Et du coup, on va partir sur une toute nouvelle aventure. Alors, même format, etc. Tout ça. Vous allez voir que par contre, la façon de jouer l'infestation va être légèrement différente par rapport à ce qu'elle était avant. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un petit peu plus rapidement. Alors, petit truc. Donc, j'ai jeté aussi un œil un peu aux arbres techno que vous pouvez trouver sur le wiki. Alors, je trouve ça dommage d'ailleurs que du coup, comme on le trouve sur le wiki, pourquoi est-ce qu'ils le mettent pas en jeu? Et j'ai pas fait gaffe s'il y avait un mode qui le mettait, mais je crois pas. C'est vrai qu'un mode pour pouvoir consulter justement les arbres technologiques, ça peut être sympa. Ceci dit, attention, parce que l'arbre techno, ça marche pas du style, voilà, si tu débloques ça, au coup d'après, tu auras forcément tête techno. C'est que des probas en gros, puisque on vous en propose plein d'un coup, et après, bah voilà, c'est au petit bonheur la chance, en quelque sorte. Donc, je sais que pour avoir les robots, il faut faire l'exosquelette alimenté avant. Donc, c'est généralement ce que je fais. Ici, ça ne change pas, je fais toujours la colonisation en premier. Et là, ça dépend un petit peu de ce qu'il me propose. Donc là, ça va être très certainement les déflecteurs. Voilà. Donc, je vous passe le début qui est pas nécessairement la chose la plus intéressante du monde. Je regarde juste où je suis. Je suis tout en bas. Donc ça change un petit peu de la dernière fois où on était tout en haut. Et je vous retrouve une fois que la game a un petit peu avancé pour réellement commencer la nouvelle série. Alors voilà la petite avance rapide. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai donc 4 planètes qui sont très concentrées. J'ai la chance d'avoir quand même des terrains assez intéressants très proches de moi. Donc ça, c'est ma planète de base. La première planète que j'ai colonisée, qui vous voyez, est assez grande. Et qui en plus possède quand même pas mal de ressources très intéressantes, notamment en minerai. Et pas mal de cases après que moi je pourrais aménager tranquillou. Une troisième planète qui est exactement dans le même système, qui est pas trop mal, même si ça demande quand même pas mal d'aménagement. Elle reste largement sympa. Et une autre qui m'a demandé pas mal de travail de déblaiement, parce qu'il y a quasiment toutes les cases étaient en fait en bloquées. Mais qui est grande et qui elle aussi a pas mal d'intérêt. Donc au final j'ai une concentration de planètes par rapport aux autres qui sont un petit peu plus étendues déjà. Donc j'ai un gros noyau bien dur. Et donc vous voyez que j'ai donc découvert ces deux gugus là. Et ces deux là viennent de se déclarer la guerre. Donc je vais évidemment faire mon opportuniste, vous pensez bien. Et je vais en profiter pour aller taper dans le dos ce mec là. Et vous allez voir que comparé à l'autre petite série, je vais être beaucoup plus méchant. Puisque moi, c'est soit l'esclavage, soit la purge. Donc ils choisissent. En fait, donc je profite vraiment du fait qu'ils sont en train de se faire la guerre avec l'autre pour lui tomber dessus dans le dos, hein, tout simplement. Alors, hop, pause le temps que je déclare la guerre. Qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais pas lui demander d'être mon vassal parce que je m'en fous. Donc je vais lui demander tout simplement de me céder ses planètes. Hop, 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 voilà. Je peux tout lui prendre, c'est ça qui est parfait. Alors, et là le truc c'est qu'il faut que j'aille, mais il faut que je fasse tout le putain de tour. Donc il y a le temps, hein. Voilà, et pendant ce temps-là, je suis en train de recruter donc une armée de robots.
j'ai quand même une assez bonne économie, mine de rien, même si j'ai pas non plus des milliards de planètes. Alors, je vais tout lui péter. Enfin, attends. Ça va être l'objectif. En lui cassant ça, en plus, moi, je vais pouvoir récupérer un peu de territoire, on va dire. Ouais, alors je gérerai beaucoup plus tard les... les planètes. Je vais vraiment me concentrer sur la guerre, là. Je pense pas que je vais avoir beaucoup de mal hein, à le défoncer. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Ah, je lui nique vraiment toute son économie, hein, y a pas de raison. Je vérifie que mes... Non, il passe pas mes boucliers, donc c'est très bien. J'ai des missiles qui sont assez balèzes. C'est ce qui fait d'ailleurs toute la force de mes troupes, hein, on va pas se le cacher. Alors, donc maintenant que vous avez ça, vous allez aller là-bas. Parce que oui, il m'empêchait d'accéder à des trucs qui normalement sont dans mon territoire, donc c'est vrai que ça me plaisait pas trop. Hein. Voilà, tranquillou, je vais le raser petit à petit. Alors une fois que j'aurai tout plein de troupes d'assaut, je vais pouvoir refaire un peu des corvettes après derrière. Hostile fleet engaged. Research complete. Situation log updated. Ok, donc je suis à fond. Donc on va pouvoir refaire quelques corvettes. Coûte assez cher les corvettes pour le coup quand même. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'ai cru qu'il y avait... Non, c'est juste qu'ils se sont arrêtés parce qu'effectivement, il n'y a plus rien. Alors, ils sont toujours en guerre contre eux. Eux, ils se sont un petit peu fait rétamer, j'ai l'impression. Hein, mais c'est pas très très grave. Moi, je vais arriver par derrière, gentiment. Construction complete. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eux aussi qui sont sur un peu sur ma route. Eux, c'est une quête des genres de révolutionnaires. Que je vais tabasser gentiment, bien sûr. Oh, ils ont un gros vaisseau. Un cuirassé? Attends, pourquoi est-ce que le cuirassé n'apparaît pas dans leur... Ah si, ok, il est tout seul en fait. Putain la vache, mais ça doit faire super mal en vrai ça. Ok putain, il faut que je détruise tout là. Ah, c'est pas si facile que ça à vrai dire là. Ah ouais putain la vache, il m'en renvoie non-stop. Heureusement que j'ai des bons boucliers et surtout des missiles qui tapent très très fort. Ouh, c'est vrai que me taper ça juste avant les autres, c'est pas forcément le... Ça m'aide pas nécessairement, hein.
D'accord, leur leader s'est barré. C'est pas grave. On se les fera un autre jour. Bon. Je vais juste attendre mes renforts. Il y a un truc par contre, je ne me lasse surtout pas, donc déjà du jeu, mais la musique, la bande son est géniale. On va pas se le cacher. C'est pas fini encore du coup mes troupes de recruter bientôt. Voilà, ils commencent à revenir là. Aussi, ouais, ils ont pris un petit peu quand même. Hop, voilà, fait du renfort un peu. Parfait. Quoi ? Faibles émissions sur le sable dans le système. J'ai rien compris. J'ai pas compris exactement ce qui se passe, mais... Trouver le vaisseau amiral des fanatiques. Ah! Ah, mais il est là-bas, ok. Ouais, plus tard. Ok. Alors, donc là, ils en ont pour 1000. Ouais, d'accord. Ils en ont pour 1000, et c'est pour ça qu'ils viennent pas. Enfin, qu'ils restent un peu à l'écart. Oh putain, si vous vous barrez par contre, c'est nickel. Hein. Ah, il se barre? Pourquoi il se barre? Pourquoi il se barre? Bon bah, je suis sûr et certain que j'ai gagné quoi. Parce que si les becs se barrent, c'est free win. Parce que là, je vais tout raser. Situation log updated. On va venir faire un petit blocus de ça le temps que du coup je finisse de recruter mes petits robots, n'est-ce pas? Ça doit soulager, n'empêche l'autre qui se faisait défoncer à mon avis. Que moi je profite un peu là, en traître. Alors du coup ça me laisse un petit peu de temps quand même pour checker un petit peu ce qui se passe sur mes planètes. Bon, eux pour l'instant ok, ça continue comme ça. Alors eux effectivement ils sont un peu au chômage. Ben, je vais vous donner de l'électricité à faire, hein, à produire plutôt. À chaque fois je me trompe. Hop, voilà. Oh oh, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Ah mais non! Ah! C'est des... Ouais, j'allais dire, mec, barre-toi, parce que... Sinon, je te prends avec. Hein. J'enchaîne, moi, hein, y a pas de souci. Pas déconner non plus. Au niveau des spatiopères, est-ce que j'ai fait des trucs partout? Oui. Donc là, je vais juste déblayer ce truc-là, histoire que... Ouais, eux, ils sont assez larges. Surtout eux, en fait, qui sont un peu embêtés. Au niveau de la bouffe, vous êtes plutôt bien, à vrai dire. Pousse-toi. Et ici, je vais construire des robots à la place. Merde. J'ai perdu mes gars, ils sont là et vous continuez de faire de l'électricité. J'ai besoin de pas mal d'électricité à vrai dire. Alors ici il faut que je me refasse encore des troupes. Alors je vais accélérer un peu le temps. Histoire de
continuer à gagner de la thune. Normalement, ça devrait aller vite. Alors, ok. Voilà. Les missiles antimatière, parfait. Ok, on re-ralentit un petit peu. Alors, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller attaquer ce truc-là. Sachant qu'eux vont très certainement revenir de l'autre côté, donc pas de soucis. Là-dessus. Là, les gars sont en train de se soigner. Du coup, j'ai été un peu vite là, peut-être, pour prendre ma recherche, mais... Ah, non. Ouais, j'en étais sûr qu'ils allaient se barrer. Qu'ils allaient revenir. Alors, ça tombe bien, j'ai encore engagé personne. Du coup, je peux me barrer. Alors, ça va être parfait, parce que normalement, ils devraient pas pouvoir se barrer. Putain, j'ai déjà débloqué ça, c'est pas mal. Donc là, ils sont en train de bombarder, mais ils vont pas avoir le temps. Ils sont à peine arrivés, qu'ils doivent déjà se barrer, quoi. Ouais, mais là, quand t'as le double de ta force, généralement, ça se passe pas bien. Hein. Ben voilà, viol en règle. C'est marrant, ça a pas donné lieu à des... Ok, très bien. Je m'en fiche un peu que je rencontre des trucs en plus. Oui, donc du coup, j'étais en train de refaire des robots. On continue de leur péter des trucs. Hostile fleet engaged. System survey complete. Construction complete. Situation log updated. Ok, là-dessus, c'est buté. Ah, t'es sérieux, qu'est-ce qui... Venez pas faire chier. Ça sert à rien, de toute façon je vais forcément vous défoncer, donc juste la salve là c'est suffisant. Là il y a de l'overkill. Bim. C'est quoi ton problème? Bon, je pense qu'il va falloir que j'aille assiéger leur monde natal, hein, tout simplement. Parce qu'a priori, ils veulent pas faire autre chose. Tu sais qu'il était parti très très loin, lui. J'avais un peu oublié ça. T'avais pas fini, ça? Ah bon. Ok. Peut-être fuis des babots. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah, ok, donc eux, ils ont déjà engagé. Ils vont se faire défoncer. Enfin, peut-être pas, en fait. Mais ils tankent. Parce que moi, du coup, là, je prends pas de dégâts. Donc, c'est peinard pour moi. C'est vraiment tranquille, là, pour moi. J'ai qu'à regarder. C'est peinard. Oui, l'administration planétaire, c'est intéressant. Après, il va falloir que je donne du travail à tous les robots aussi. Ah, attendez, j'avais pas vu. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour les gars? Juste en parlant d'électricité, là, hein, pour l'instant. De l'électricité quelque part, peut-être... Là.
Mais il n'y a pas grand chose de plus à vrai dire. J'ai pas fait la clinique ici? Ah non. Intéressant. Je les bombarde plutôt bien là, ça fait plaisir. Par contre, est-ce qu'il y aura pas... Ah, il y a beaucoup de troupes là quand même. Quand même beaucoup, beaucoup. Ça va pas aider. Hein. Construction complete. Va falloir que je fasse une deuxième troupe. J'en aurai clairement pas assez là. Evading hostile fleet. ouais, ok. Mais je t'ai pas trop. Ah, ok, mais ouais. Enfin, en fait, non. Ça va avec. Kripa, c'était juste des. Ah putain, mais lui du coup en fait il est bloqué. Bon. Bah non, il est pas bloqué. Il peut venir là après. Pourquoi t'es passé par là? C'est complètement débile comme truc. Bon, après il faudra qu'il vienne faire tous les putains de projets de recherche là. Histoire de pas les paumer. Parce que ça va pas rester non plus pendant 15 ans. Voilà. Et après tu pourras repartir ailleurs. Je vais refaire la reconnaissance de ça, de ça, de ça. Voilà. Tu pourras venir faire tout ça. Et chaque chose dans l'ordre. Chose dans l'ordre. Sérieux? Attends, sérieux? Wait. Qui est-ce qui l'a buté? Ah bah oui, bah ouais, bah il est mort. Bah je sais pas qui l'a tué, mais ok. Ou alors le mec s'est tué tout seul. Là c'est curieux quand même. Très curieux. Et je sais pas trop ce qui s'est passé là. Mais... Venez pas nous faire chier. Et ils ont de l'espoir n'empêche hein. Hop, il s'est barré. Par contre, eux, du coup, ils ont repris un peu du poids. Oh, c'est quoi ces trucs? C'est marrant, ça. Je peux pas voir ce qu'ils ont. Ah, si. C'est des lanceurs de plasma. Ok. C'était marrant comme truc. Du coup, est-ce que je peux faire d'autres choses? Uniquement, pour l'instant, je regarde juste vite fait. Je suis pas en phase préparatoire. Donc uniquement l'électricité. Parce que c'est le truc qui vaut mieux que je charge. On verra le reste après. Je vais te donner un peu de boulot toi. Attendez. Y'en avait pas un qui je devais donner des trucs? Non. Non, c'est juste les robots là. Ok, bah oui, bah là on est bien. Ah, ils reviennent encore, mais c'est pas très grave. Je continue tant que j'ai pas du coup. C'est bon, j'ai une autre flotte. Alors, eux ils vont venir dans l'orbite. Pour l'instant, ils vont pas rentrer dedans parce que je pense pas qu'ils puissent. Alors, d'ici là, qu'avec deux vaisseaux, il arrive à me péter la planète, on n'y est pas. Hein.
Ça, croyez-moi. Surtout que là, ce que je vais faire, je vais ramener des gars ici. Ah, qui c'est qui est... Ah oui, merde, je l'ai laissé en chier. Du coup, faut que je lui remette tous les ordres. Il y avait que ça. Oui, parce que du coup, j'ai dû commencer à perdre mes... Justement, je mets trop de temps... J'ai mis trop de temps, pardon, à aller le chercher. Et quoi qu'il en soit, eh bien, ça va être la fin de l'épisode, hein, donc on va s'arrêter là, alors que la guerre est plutôt... Elle est gagnée, hein, on va pas se mentir. Surtout que, hop, eux, ils sont là maintenant, donc ils vont pouvoir venir en support ici. Donc, c'est la fin de cette vidéo et c'est la première de la reprise d'une nouvelle saison. J'espère que voilà, ça vous déplaît pas trop trop que je reparte un peu sur quelque chose qui correspond plus à mon style de jeu. Je vais sauter au début les phases un peu ennuyantes, on va dire, où je fais pas grand chose, et comme ça je vous montre que ce qui est intéressant, et jusqu'à ce qu'on rattrape en quelque sorte là où on en était avec la précédente partie. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines parutions, et sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.